Et comme annoncé en titre, lancement ce matin de la mission d'identification du potentiel touristique gabonais face aux opérateurs du secteur. Il était question pour la tutelle de présenter les différentes étapes méthodologiques de cette opération. Doris Kouzoukoulou, Michel John Boudéa. La conception du projet, le lancement de la communication, la mission précurseur et d'identification du potentiel touristique et la caravane test. Les étapes méthodologiques présentées au cours de cette séance d'information organisée par le ministère du Tourisme à l'endroit des opérateurs du secteur. Il s'agit de présenter la mission d'identification du potentiel touristique pour justement préparer la caravane test du mois de décembre. Nous nous sommes entretenus avec ces opérateurs pour expliquer, bien sûr, la façon avec laquelle nous voulons collaborer avec eux. Je crois que ça a été une rencontre positive et nous pensons que dans l'immédiat, nous allons démarrer nos activités. Une rencontre qui revêt une importance capitale pour la promotion et la vulgarisation du tourisme au Gabon. Eh bien, j'ai une énorme satisfaction. Je salue déjà l'initiative du ministère du Tourisme de nous avoir réunis. Ça montre la volonté des nouvelles autorités de mettre en valeur notre patrimoine touristique. Nous attendons cette caravane depuis très longtemps et aujourd'hui, le ministère du Tourisme lance cette initiative afin d'emmener les Gabonais, mais aussi le monde, à découvrir le Gabon. La mission d'identification du potentiel touristique, un voyage au cœur de la nature gabonaise, est donc lancée et prendra fin le 14 décembre prochain. Les grands dossiers. Ce dimanche 3 décembre, le tourisme s'invite chez vous. Quand le tourisme s'y verra, c'est autour de cette problématique que s'articuleront les débats. Le fond, la forme, le côté artistique, tout sera agencé dans un décor créé pour la circonstance. Les grands dossiers, c'est ce dimanche à 21h sur Gabon 1er.